Voilà, là du coup j'ai accéléré, je vous ai passé une bonne demi-heure de vidéo. J'arrive au stade où je suis en train de farmer pour le fameux Draken. Voilà. Donc j'ai placé des walls anti-aériens ici. J'ai un détecteur anti-invisible à ce niveau-là. Donc du coup voilà, on voit que les invisibles sont là. J'ai mes canons qui sont là, qui tirent. Là, le healer qui est une portée surtout dans le coin ici, là, pour générer de shield. Ça, c'est au cas où il y a des fameux canons, des fois qui bloquent. Je sais pas quand ils sont exactement. Donc, du coup, ils tireront d'abord sur les bâtiments ici. Ils prioritarisent les walls. Et là, voilà, je suis bien. Je récolte. Objectif. Je vais juste faire un dernier truc tout doucement aussi, c'est que je vais augmenter la portée de l'oral. Non, c'est bon. Voilà. Ça, tous mes bâtiments sont protégés par l'oral avec 3 volants. J'ai bien amélioré la capacité du vol, hein. Ici, les healers, les générateurs sont bien inquiets comme il faut. Les générateurs sont tous là aussi. Tac. Normal, j'aurais déjà les aériens. Ils vont pas tarder, je pense.
bien avoir la gerbe. We'll be right back.
Dovraken a une particularité, c'est qu'il ne peut tirer qu'à condition d'être alimenté en énergie, avec des bâtiments bien particuliers. Là, on voit que le rat est bien placé puisque les voiles sont tous touchés. Puis normalement un deuxième truc de canon est placé sur le bot aussi là, pour augmenter les dégâts justement. Ouais. Je sais pas ce que c'est pas nécessaire. Gagner la partie en 1h30. Voilà,
faire attendre qu'elle soit au complet. On y va.